On le connaissait animateur à la radio et à la télévision, acteur à ses heures perdues, mais pas chanteur. C'est pourtant le nouveau défi surprenant que se lance Jérôme Anthony. La star de M6 et de W9 a en effet décidé de s'essayer à la chanson. Le 21 mai dernier, il dévoilait une reprise d'un titre culte de Michel Delpech, Pour un flirt. Une version revisitée par le producteur Yann Muller, présentée dans la description du clip publié sur la chaîne YouTube de Jérôme Anthony comme une valeur montante des DJ, dont les covers explosent les compteurs d'écoute. Une collaboration étonnante, un titre qui résonne comme un tube d'été, une mélodie et des sonorités actuelles et festives, peut-on également lire. Yann Muller est effectivement connu sur Internet pour ses remixes des plus grands tubes de variété française, à l'instar de Ella, Ella de France Gall ou encore Le cœur grenadine de Laurent Voulzy. Dans une vidéo qui fleure bon l'été, Jérôme Anthony donne donc de la voix pour reprendre cette chanson qui compte parmi les plus populaires de Michel Delpech, remise au goût du jour. Face à la mer, le compère de Cyril Lignac dans Tous en cuisine n'hésite également pas à esquisser quelques pas de danse. Ce clip est sublimé sans bon l'été, ce mec a un incroyable talent. Très belle chanson qui me rappelle quand je draguais dans les bals montés. Merci à Jérôme Anthony, se réjouissent ses fans de la première heure dans les commentaires. Jérôme Anthony, nouvelle star de la musique, grand passionné de musique et plus particulièrement des émissions de variété qui ont marqué l'histoire de la télévision, Jérôme Anthony avait déjà sorti un premier album passé inaperçu en février 2020, intitulé Ma plus belle chanson. Il s'y attaquait à 11 titres phares du répertoire musical français, tels que Pour le plaisir de Herbert Léonard, Chez Laurette de Michel Delpech ou encore Le ciel, le soleil et la mer de François de Gelt. Peut-être que ce nouveau projet sonne le début d'une belle carrière musicale à venir pour l'animateur, déjà très apprécié des téléspectateurs de la 6. Article écrit en collaboration avec 6 Média Crédit Photo, capture d'écran YouTube.